le kidnapping de Dorian, suspendu dans le vide et sauvé par son père Étienne, a mis en lumière plusieurs nouveaux indices dans Demain nous appartient sur TF1 ce jeudi 23 février 2023. Tout d'abord, les enquêteurs ont suffisamment avancé pour localiser la camionnette du malfaiteur puis pour retrouver sa planque. Un complice du kidnappeur dans Demain nous appartient ? En effet, les policiers se sont infiltrés dans la bâtisse en construction dans laquelle ils séquestraient ses victimes avant de les mettre en scène comme ce fut le cas pour Emma retrouvée dans une boîte. Ce 23 février, un flashback permettra d'en savoir plus sur les circonstances de la soirée organisée chez Raphaël Perrault. Les enquêteurs ont fini par savoir que les principales victimes étaient reliées par cette fête organisée où circulait du protoxyde d'azote, une forme de drogue extrêmement dangereuse. Dans ce retour en arrière, au 29 juillet, Dorian, Ryan Hubé, ordonne à l'un des dealers d'arrêter de donner cette drogue à Camille, sa petite amie. Le dealer se moque éperdument de la menace à peine déguisée du lycéen et le provoque en disant que sa petite amie demandait plus qu'un shoot de drogue. Nathan et Dorian font des cachotteries sur TF1. Les deux adolescents sont proches d'en venir aux mains quand Nathan, à des gabelets, intervient pour les séparer. Il se moque de lui en lui faisant remarquer qu'un si petit dealer ne pourrait jamais intéresser la police. Il lui ordonnait de dégager. Dorian, visiblement énervé, veut en remettre une couche, mais Nathan le retient avec force pour ne pas qu'il commette l'irréparable. Ce secret a jusqu'ici été bien gardé par les deux jeunes hommes. En quoi ce sombre personnage est-il lié au kidnapping ? Il n'a en tout cas pas la même coupe de cheveux que le kidnappeur lui-même aperçu dans l'épisode précédent. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1.